l'anniversaire de mon grand frère le scientifique et de mon ami le cobaye. Je leur ai préparé un gâteau piégé. Mais attention, chut. Coucou, oh, bon anniversaire. Merci. J'ai une petite chose à faire avant. Vous n'y touchez pas, hein. Oh, oh sérieux? Mais elle a dit qu'il fallait pas y toucher. Bon, t'inquiète, c'est qu'une bougie. Attention. Ah. Plus fort, plus fort. Mais ça marche pas. Oh, je vais chercher un coup. Tiens. Oh non, mais c'est sérieux là. Laisse-moi faire. Je comprends pas. Ah bah là, c'est sûr, il est trop cuit, hein. Bah non, parce que t'as vu, c'est presque liquide. C'est même peut-être cru. Bah qu'est-ce que c'est alors? Bah je sais pas moi. Oh, je sais, c'est de la maïzena. Bon, je lave les cheveux. Mais il est où? Martin, il est où mon shampoing? Hein? Il est où mon shampoing? Ah, le shampoing, je l'ai fini hier, tu vois, j'en ai créé un nouveau, c'est de la haute gamme. Tu On va passer le mois alors, hein. J'ai que ça. Oh, il est bizarre ce shampoing. Mais c'est quoi ce shampoing? Ah, ce shampoing, j'ai mis de l'huile de palme, de la vinaigrette et beaucoup de maïzena. Edgar, viens voir. Ouais, j'arrive. Tu vois, j'ai caché une pièce dans ça. C'est de la trouver. Mais c'est trop simple. Ça marche pas, je comprends pas. Non, parce qu'en fait, plus tu enfonces tes doigts lentement, plus il y a des particules d'eau qui vont s'écarter. Et donc, si vous. Et au contraire, si tu vas trop fort, et ben, elles n'ont pas le temps de s'écarter et donc ça va devenir solide.